Yo les gars, c'est le dieu de la guerre qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous aurez pu voir au titre à la même chose de la vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le meilleur milieu de terrain de FIFA 17. En l'occurrence ici c'est Paul Pogba. Paul Pogba, comme vous avez pu voir au titre à la miniature, Paul Pogba, un niveau exceptionnel. En plus, cette année, il a les putains de 5 étoiles geste technique. Du coup, ça fait de lui un monstre qui va coûter vla cher au début de FIFA 17. On se retrouve sur la démo. Comme vous pouvez voir à la formation, j'ai pas changé grand chose. J'ai changé les remplaçants à la rentrée. On va faire rentrer un peu de paix et Rashford aussi pour tester peut-être. Et voilà. Et on va se faire un petit match face à Manchester City. Et je vous retrouve tout de suite. Ce jeu est fluide. Alors par contre, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez une difficulté à régler? Est-ce que j'ai peut-être fait quelque chose de mal ou est-ce que c'est la démo qui est comme ça? Mais je crois qu'il n'y a qu'une seule difficulté pour toute la démo. Alors on peut pas changer de difficulté ou quoi. J'ai pas encore fait de match contre l'ordinateur, là c'est mon premier. Mais j'ai pas vu de difficulté qu'on puisse changer ou quoi. Du coup, on va tester tout ça. Ouais, Pogba qui se fait bousculer par Yaya Touré, je crois. Ouh là là, Anthony Martial, Agüero qui est vraiment très très bas sur le terrain. Ouh là là, ouh là là. Wesh, 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 bye. Allez, bye. Oh là là. Ah, dommage, putain. Il y avait une petite contre-attaque là. Les défenseurs, ils sont plus incisifs, ça fait plaisir. Là, on avait des défenseurs un peu trop passifs sur FIFA 16. Non, bien vu Pogba, bien vu, ça, Smalling. Allez, on fait tourner. On monte un peu avec Pogba. Vas-y mon gars. Ils ont un peu peur, ils ont un peu peur. Pogba, il a une vitesse, why? Why? Koufou en plus. Oh là 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 là. Changer la caméra, ok. Changer de tireur, ok. Putain, Zlatan il tire bien les coups francs. Mais juste pour la vidéo, on va les tirer avec Pogba. Oh là 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 là, j'ai cru. Pouf. Ça partait très très fort. Hein. Bon, j'ai un peu mal tiré, je crois. Je sais pas si c'est comme FIFA 16, les tirs des coups francs et tout, de ce que j'ai vu en off, c'est un peu différent quand même, c'est plus dur à tirer quand même. Donc j'attends les tutos de certaines personnes, bon après, c'est avec l'habitude, je pense qu'on apprendra à les tirer. Pogba, vas-y mon gars, vas-y mon gars. T'as vu le départ, t'as vu le départ de Valencia, Valencia en retrait. Ibra accroché, ah là 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 là, dommage putain, c'est ça Anthony. Anthony, est-ce que ça passe toujours? Merde, putain, il est venu dans mes pieds. Je m'attendais pas à ce qui se passe. Bah voilà, il disait ça, les gardiens les plus intelligents, je sais pas quoi. Voilà, c'était pareil. Je m'attendais pas à ce que le mec vienne dans mes pieds. Clairement, je pensais qu'il allait faire le con comme dans FIFA 16 à rester dans sa putain de cage alors qu'il voit très bien que j'y arrive, tout ça. Mais il a pas fait, il a pas fait. C'est bien, c'est mieux, c'est mieux. Oh putain, sur le poteau, merde. Ah putain, de ce que j'ai vu de la vidéo de Vinsky et de son live plutôt, les frappes de loin ça rentre assez fréquemment et du trailer qu'on peut voir, ce qui a l'air de rentrer c'est plutôt les enroulés cette année. Enfin les enroulés à plat, tout ça, premier poteau. Pouh, Zlatan. Zlatan. Zlatan, il a fait mal à la caméra. Patate. Non. J'ai frappé, je me suis dit non, la balle elle va pas s'envoler comme ça. Mais le jeu il est vraiment beau. Franchement, c'est un truc qui me manquait un peu sur FIFA 16, c'est que le jeu il était lent. Tout le monde s'est plein de la vitesse sur FIFA 15, je sais pas quoi. Mais quand tu mets une grosse frappe comme ça, mon gars, t'es content quand même. T'es content. Le jeu il est clean. Non, ça fait plaisir. 1-0 les potes. Allez, oh là 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 là. Faire des mouvements comme ça avec Pogba, c'est jouissif de ouf, gros. Hop, tune 2, tu passes avec Polo, tu reviens, tu frappes et goal, Polo. J'arrive pas à faire le dab, j'arrive pas à faire le dab.
Bon, on va faire la danse du robot, je sais pas quoi, mais j'arrive pas à faire le dab. Dites-moi en commentaire, comment vous faites le dab sur FIFA 17? On nous en a trop parlé, tout ça, j'arrive pas à le faire, ça casse les couilles. Oh là 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 là, Pogba. Quand je vous dis que c'est le meilleur RMC du jeu, pour moi, clairement, le mec est trop fort. Le mec, c'est un putain de magicien. Vous allez me dire, ouais, Modric, je sais pas quoi. Eh, Modric, il a pas 5 étoiles. Les 5 étoiles, pour moi, ça fait clairement la diff. Sur FIFA 17, il va être un régal. Un régal. Non. Putain. J'ai trop parlé. Du coup, ils sont revenus au score. C'est qui? C'est Yaya Touré. Yaya Touré aussi qui est très très bon sur ce jeu. Bref, 2-1. Boum. Allez, direct. Allez, bras, graille-le. Tu le grailles, mais non. J'allais le graille. Oh là 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 là. Face à lui, tu joues avec le dos, tu pars dans la profondeur, il n'y a plus personne, là c'était fini. Bref, beau petit match de 1. Dites-moi s'il y a une difficulté, si on doit la changer ou quoi, peut-être que c'est trop facile ou quoi, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous savez faire le dab, que j'apprenne à le faire parce que, on nous en a trop parlé, maintenant il faut que je fasse des dabs, la vérité. Bref, lâche ton like si t'as kiffé, partage, commente, comme d'hab, c'était le jeu de la guerre, et moi je te dis, peace.